filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo où je vais vous montrer mes astuces hijab. Alors ça fait 6 ans que je porte le voile, 6 ans et demi à peu près, et c'est vrai que j'essaie de contourner la chose. Il y a des astuces que j'ai appris au fil des années et je voulais partager ça avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Plusieurs personnes connaissent déjà ces astuces, du moins quelques-unes, et je me suis dit on va mettre toutes les astuces en une vidéo. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, et puis bah, je vous laisse avec la suite. Astuce numéro 1, je ne sais pas si ça vous arrive, mais les épingles à nourrice c'est comme les chouchous, je les perds par centaines. Du coup, mon astuce, c'est de faire un petit nœud pour éviter d'utiliser une épingle à nourrice. Franchement, on n'y voit que du feu. Astuce numéro 2. Pour celles qui ne peuvent pas se passer d'épingle à nourrice, même si ça fait des trous, eh bien prenez un transparent de boucle d'oreille et mettez-le sur une épingle à nourrice. Franchement, ça va éviter de trop trouer vos foulards. Combien de fois j'ai vu des épingles par terre et qui m'ont fait très très mal. Personnellement, j'ai déjà un coussin spécial épingle, mais le mieux est d'avoir une petite boîte. C'est super rapide, on peut décoller le papier adhésif si on n'aime plus, et c'est super. Astuce numéro 4, j'en ai marre d'avoir des colliers ras le cou. Du coup, pour avoir un collier un petit peu plus long, eh bien j'utilise une grande épingle à nourrice. Et au niveau des deux attaches de mon collier, je vais mettre l'épingle à nourrice et puis je ferme. Astuce numéro 5, ne jamais sortir sans ses épingles. Souvent je les perds dehors et du coup mon foulard glisse. Du coup j'ai une petite roulette à épingle dans ma trousse de secours. Du coup quand j'ai vraiment besoin d'une épingle, je la sors. Si toi aussi tu en as marre de tomber sur des pins colorés, j'ai une astuce. Mettre du vernis coloré de ton choix sur tes épingles colorées. Franchement, on n'y voit que du feu, en plus ça sèche super vite. Si toi aussi tu en as marre de tomber sur des pins colorés, j'ai une astuce. Des fois on ne sait pas trop où mettre nos voiles, mais grâce à un sein, on peut juste en placer plus d'une dizaine. Donc c'est super pratique lorsqu'on ne sait pas où ranger, en plus ça prend vraiment pas beaucoup de place dans la garde-robe. La vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!